Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce stream tout pourri. On va faire un peu de challenge pour changer. On va essayer de finir le 9e. C'est parti. Bon, va falloir que je me chauffe un petit peu. Le temps de retrouver quelques réflexes. On va essayer de pas trop perdre de vie. Ça serait pas trop mal. Et voilà. Bon voilà, un petit sous-boss, pas très dur, mais un petit peu longué à tuer. On va prendre directement le rocher piégé, ou plutôt le rocher spécial. On va récupérer les deux cœurs et on va aller direct au boss. Un petit pin pour commencer, c'est pas trop mal. Ça va permettre de se mettre en jambes. Ah, voilà, là on m'entend. Pour entendre ma douce voix sibylline. Ou merdique, c'est selon. Alors ce qui est sympa avec Pin, c'est que même quand il a fini de rentrer sous terre, il est encore touchable. Oui. Une petite Pin pour commencer. Bon, cela, si on est attentif, ça devrait passer tranquille. Voilà, merci. Des mouches à merde. Le cordon ombilical, dont je ne sais plus du tout l'utilité, mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien d'autre. On va prendre. Alors, l'avantage de ce challenge étant qu'on peut voler, qu'on vole directement depuis le début en fait. The Lovers qui donne 2 cœurs, plutôt sympathique. Alors eux a priori c'est pas les plus durs, suffit de se tenir bien en face d'eux et a priori on craint rien. A priori. Ah, l'objet pour sauter les niveaux, la pelle, il me semble bien. Sympathique comme objet. Bon, on va pas s'éterniser beaucoup plus, de toute façon on n'a pas assez d'argent pour aller au shop et dans le challenge il n'y a pas de salle de coffre, donc on s'en fout. Allez, monstro 1, ça aussi théoriquement ça devrait passer comme papa dans maman.
Mais non, c'est pas sale, c'est l'amour, c'est pareil. C'est pas pareil. Ce n'est pas sale. Le petit cœur éternel qui fait plaisir. On va quand même aller voir ce qu'il y a dans la Devil Room. La tête de Gruppies et je ne sais plus le nom de notre objet. Non. Non, non, on va prendre direct le cœur éternel et paf. Ce qui fait quand même deux cœurs récupérés en un boss, c'est sympathique. Ah oui, non, mais évidemment, si on parle d'amour tarifé, oui, bon. C'est différent. En fait, faudrait que j'affiche le chat dans la fenêtre du stream pour les VOD. Ça serait sympa. Ou pas. Pendant ce temps, je me fais toucher par une grosse larve de merde niveau 0. Le skill. Les mouches à merde. Voilà. Le plus dangereux. Bien être attentif. Ah, parfait. Une petite clé de papa. Qui va nous permettre d'ouvrir toutes les portes du niveau, enfin toutes les serrures du niveau, pardon, sans utiliser une seule clé ordinaire. Très sympathique. Donc du coup, on va aller faire obligatoirement un tour du côté du shop, même si on trouvera rien. A priori, hop, trois petites bombes, ça c'est bon esprit. Ça c'est moins bon esprit du coup, mais c'est pas grave. Alors, si vous pouviez tous décéder, ça m'arrangerait vite. Si je me fais pas toucher, c'est pas drôle. Du coup, je ne peux pas accéder à la salle. Oui, les crânes sont très chiants. Salle de sacrifice. Ça dépend de la disposition de la salle. Ça dépend de pas mal de choses. Et une petite troll bombe. Allez, 7 bombes, on va tenter. Merci le jeu. Un peu de thunes, ça va faire du bien ça quand on va aller au shop. Avec un petit peu de chance, un petit objet en solde, ça peut être pas mal. Alors oui, voilà, donc si je veux tirer, il va falloir que je pense un jour à m'enlever des rochers, parce que sinon, ça marche pas. Eh ben, parfait! Qu'est-ce qu'on a? Ah, non. Malheureusement, rien de bien intéressant, je dois avouer. Le Mom Spurs qui donne plein de 5 ou 6 pilules, je crois. Je me fais toucher, ça c'est pour le beau geste. Si on ne peut pas se reprendre une mouche, ça serait quand même un petit peu ridicule. S'il te plaît, voilà. Une pilule, on va pas la prendre. On va garder notre petite carte qui nous donne 2 cœurs parce qu'on va bientôt en avoir besoin vu comment je joue. C'est-à-dire mal, hein, au cas où vous l'auriez pas remarqué. On va aller au boss. Hein. Oh, un petit fistula après pin. Isaac, toujours un jeu de bon goût. Voilà, et ben reste, tu sais quoi, voilà, tu restes contre le mur, c'est sympa.
Non, 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 non. Comment perdre un cœur bêtement? Voilà, D7, s'il te plaît. Merci. Un peu de tears up, on prend. C'est très très sympathique. Et on va avancer. Là, si on la joue bien. Voilà. Avec The Rock, ça c'est très sympathique aussi. Un petit peu de dommage boost. Et là de suite, ça devient plus sympathique. On va peut-être attendre pour prendre le cœur, on verra. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Et c'est là où on est très content de pouvoir voler, puisqu'il suffit de se mettre au-dessus des trous et les ennemis mongoloïsent. Petite clé, c'est pas de refus. Avec un dime, on va chercher le shop. Ça serait une très très bonne idée de le trouver. Évidemment, il faut que j'arrive à le séparer en deux parce que sinon c'est pas drôle. Allez, s'il te plaît, décède. Voilà. Le cœur éternel, très important, il va falloir penser à revenir le chercher. Une fois qu'on aura battu le boss, évidemment, juste avant de se barrer. Là, on va essayer de se prendre un dommage pour rien. Ce serait quand même bien. Voilà. Deux clés, on prend. Ah, c'est tentant, mais on va déjà trouver le shop, ça serait pas mal. On va aussi essayer de trouver la salle secrète. Merci. Mais étant donné qu'on n'a pas d'objet, on va prendre Bob's Rotten Head. Ça peut dépanner. Alors là, il faut aller vite. Et là, on va aller claquer son pognon. On va essayer de trouver le shop d'abord. Alors là, ne pas faire de bêtises. On ne tire pas n'importe où. Et normalement, tout se passe bien. On va avoir pas mal de cœurs bleus, ça va être très très sympathique ça. Restez calme, restez lucide. C'est tentant si on trouve
un second trinket, puisque cet objet permet d'en avoir deux à la fois. On va tout d'abord aller voir ce qui se cache dans la salle d'arcade. Et on va claquer tous ses sous. Et là, ça peut évidemment durer très longtemps. Voilà, des cœurs, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Parfait. Ah voilà. Alors là, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on commence à bourrer la machine de don du sang, plus on nous donne plein de cœurs, ou est-ce qu'on va plutôt bourrer le petit démon, le mendiant démon, qui au lieu de lui de prendre des pièces, prend des cœurs. Je suis tenté, pour tout vous avouer. Ça par contre, il y en a trois, on va tester au cas où. Balls of Steel, alors là, les amis, là, on va se faire une orgie de cœur bleu. Ça va être indécent. Allez, un dernier petit tour et on va aller. Par contre, je ne sais plus si le petit démon se sert d'abord sur les Soul Hearts ou s'il va directement piocher dans les cœurs rouges. On va le savoir tout de suite. Les cœurs rouges. Alors, une petite carte. The Empress, c'est pas trop mal. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu te fous de moi, là. Tu te fous de moi. Non mais je vais pas passer tous mes cœurs sur toi là. J'y crois pas. Le petit saligo. Le petit saligo. Bon, évidemment, on va récupérer nos petits deux cœurs parce que là, on va en avoir un petit peu besoin. Et on va... Non, mais il va me le donner, ce putain d'objet. Bonsoir, Momiji. Momiji, pardon. Allez, donne l'objet. Donne. Merci. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on prend. Ça permet, si je dis pas de bêtises, d'immobiliser les ennemis pendant 5 secondes. Et ça peut être pas mal. On va aller se gaver de Soul Hearts. On va aller récupérer ensuite la carte de tarot. Hop, deux de plus. Paf,
Paf, pistache. Deux de plus. Et voilà, et c'est parti. Pour eux aussi, on va peut-être essayer de récupérer une paire de cœurs là-dedans. Bon, c'était... Ça valait le coup de tenter. Oh, tiens, une pièce. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Oh! Non, mais il y a des fois... Non, mais bon. J'avoue. Alors là, par contre, il va s'agir de pas faire le sac à merde face au boss. Mais théoriquement... Gurdy. Merci. Le talent. Alors évidemment, l'avantage, c'est que du coup, les mouches, j'en ai absolument rien à péter. Et voilà, ça c'est très bon esprit aussi. C'est très très bon esprit. Et surtout ne pas oublier le cœur éternel. Parce que là on l'aurait mauvaise. C'est, faut avouer, plutôt bien parti. Même si, faut faire gaffe avec moi, je peux défoncer n'importe quelle partie. Là, théoriquement, on est bien. Et paf, les vaginettes. Évidemment, il faut que je repasse dans le rayon. Là, par contre, c'est absolument gratuit. Ça, par contre, c'est beaucoup moins gratuit. Je les déteste. Non, arrête de me coller. C'est vrai que j'aurais dû y penser, mais je peux me réfugier au milieu des rochers pour éviter leur tir. Mais bon, si on prend pas de risque, il n'y a pas d'intérêt. L'ermite qui téléporte au shop, c'est bien ça, avec une carte. Si on arrive à avoir des sous, ça peut valoir le coup. Vaginette de le retour. Toujours cette vista. On va continuer d'explorer de ce côté. Les mouches, là, c'est gratuit. Pour aller voir la petite salle, étant donné qu'on vole, on se prendrait qu'un seul dégât. Mais bon, des sous, ça, on prend. Ça, par contre, on prend un peu moins, mais bon. Non. Voilà, après il reste plus qu'à s'occuper de ces deux zozos là, les deux blaireaux. Voilà.
Alors il ne bouge pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'apprécie grandement. Lui c'est gratuit. Et lui maintenant qu'il est tout seul. Donc là évidemment, on va se mettre au-dessus d'un trou. Là aussi, salle gratuite. Avec le boss en prime, un petit cœur, deux petits... Ouais. Mais merci beaucoup le jeu. Merci beaucoup. On va juste chercher... Écoutez. Et on va pouvoir se prendre la carte. Voilà. C'est vrai que la boussole serait encore mieux, mais déjà avoir la carte. On va aller juste récupérer notre carte de tarot. Et direction le boss. Loki qui est pas loin d'être le plus dur des boss. Si on fait juste un petit peu attention, c'est-à-dire si on joue pas comme moi. Et évidemment, il faut que je me le prenne. Ah, ça c'est très bon, ça aussi. Ça c'est très très bon, le petit Squeezie. Ah là 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 là, la tentation. La tentation. Curpispo qui fait... Oh là 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 là, le trou de mémoire. On va garder notre petit objet sympathique. On va récupérer les deux petits solars qu'on avait certainement perdu. Et on va avancer. Là, on est bien parti quand même. Je me répète un peu. On va aller de suite à la salle secrète. Et là, les salles comme ça, quand on a Scatol, c'est vraiment, vraiment très bien. Voilà, venez mes amis, venez à moi mes petits enfants. Oui, je sais, j'avais dit que je m'occupais de la salle secrète et évidemment j'ai oublié avec ma super mémoire. Voilà, c'était ça, Gurpiz. Merci Momiji pour la précision. Oui, donc j'aurais pu le prendre en fait. Ça aurait été pas trop mal, mais bon. Alors là, ça fait super plaisir d'avoir un petit objet comme ça. Parce que du coup, on va pouvoir les infiniser et il en reste plus qu'un. Et là, merci le soutif. Allez voir ce qu'il y a dans la salle secrète.
peu de frais, il comprend. On prend. Aller voir de ce côté. Oh, ça, c'est ça aussi. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Juste faire gaffe à la dernière mouche. Dernière mouche qui préfère se suicider. Et j'ai envie de dire, c'est vrai. Tu as raison. Et le petit caca doré. Caca doré qui va nous donner plein de sous-sous. Beaucoup de sous-sous. Et on va aller voir ce qu'il y a dans le... Évidemment, un grid. Donc voilà, décède, s'il te plaît. Steam Sales, à ce stade de la partie, ça ne sert plus à rien. Mais bon, qui puis-je? Et c'est parti pour Mom. Mom normal, a priori. Faire un petit peu attention, ça serait pas mal. Pas passer loin celle-là. Voilà, merci maman. Merci maman. Et quelques derniers petits coups. Et voilà, ouais, Whip of Tail, bon. Cat of Nine Tails, bon. Shot Speed Up, c'est pas mal, mais bon, c'est pas le plus grand objet de tous les temps. Grand objet. Faire spawner à côté de la salle secrète, moi je dis pourquoi pas. Un petit peu de sous, ça ne servira plus à grand chose à ce stade, mais... ouais. On va tenter d'aller par là. Évidemment, je vois le danger, mais je ne bouge pas. Des réflexes surhumains. The Empress et The Empress, eh ben ouais. Voilà, meurs s'il te plaît, merci. Une machine à sous, ça peut être sympathique. Pour claquer notre reste de fric. Là par contre il va falloir se débarrasser. Et j'ai déjà perdu tous mes soul hearts en faisant que de la merde. Ça c'est tout moi. Voilà, au moins il y a le boss.
Là, vraiment, je joue comme un gros sac à caca. Ah non, mais vraiment, non, mais vraiment, non, mais... le red patch, non. Sur l'humain, sur l'humain. J'ai loupé le fil. Que veux-tu dire par surhumain? Ah oui, surhumain, pardon. Oui. Ça y est, je comprends, oui. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tant que l'information monte au cerveau, que la fonction d'analyse se lance. Deux pilules la même. Tears up, eh ben on prend. On prend, on prend, on prend, on prend. Ah, merci, ça me fait plaisir, Oli. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je t'aime. Des cœurs, ça en prend, on en veut des cœurs. Des clés, on s'en fout. Les cœurs, on veut. S'il te plaît. Ah, ça tombe bien, j'en ai sur la tête du caca. Donc si je meurs, il y a de fortes chances que ça soit dans mon caca. Ah, et des balls of seed, et ça on prend parce qu'on aime bien. Et on va aller rendre une petite visite au boss. Scolex, théoriquement, ça devrait le faire. Alors faut arriver à viser sa queue. Éviter ces grosses bombinettes. Ah oui, non mais oui, voilà, comme un sac à caca, à chaque fois je confonds, c'est ce n'est pas le pied de mom qui apparaît, c'est la pute de Babylone. À chaque fois je me gourre, c'est terrible. Mémoire de poisson rouge. Donc en fait, au lieu d'attendre mid-bar, j'aurais peut-être pu le faire dès le début, mais bon. Des sous, c'est vrai qu'on n'en a pas assez. On va aller récupérer l'autre carte. Et on va se barrer. Autre carte qui nous servira, si on y arrive, contre It Lives. On essaiera de pas mourir bêtement sur le dernier hit. Petit Curse of the Darkness, c'est vrai que ça fait plaisir. Claquons nos sous. Nos sous, pardon. Voilà, donne-moi des cœurs. Merci. La chandelle, la chandelle, la chandelle, la chandelle, la chandelle. Chandelle ou pas chandelle? Je l'aime bien, moi, le soutif. Je dois avouer que ça peut être pratique. Alors ça, évidemment, alors ça c'est vraiment un combo, là voilà, là on va pas s'embêter, voilà pourquoi le soutif c'est bien. The Emperor, ça mène directement au boss, alors on va prendre la chandelle, et Emperor.
On va se concentrer. Voilà, la chandelle, en fait, ça envoie une flamme bleue qui fait du dommage, tout simplement. C'est sympathique, ça peut bien aider, bien dépanner. Et là, je me fais mongoloïser par une pauvre sangsue toute pourrite. Donc là, monstro, on fait gaffe. Et après, on va essayer de placer un maximum de bombes. Voilà pourquoi la chandelle, c'est quand même super sympa. Et surtout, elle se recharge toute seule, la petite coquine. Voilà, on va essayer de pas refaire le gros mongol. Voilà, la chandelle, c'est quand même pas mal. Et là, it leaves qui va rester en place. Alors là, le Duke of Slice, étant donné qu'on a Scatol, on en a, mais alors, rien à péter. Voilà. Et là, c'est là où il faut pas mongoloïser. Voilà, meurs, meurs, s'il te plaît. Meurs, 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 meurs. Oui. Oui, les petits amis. Et les petits amis, il va falloir aller en fait. Ah, ah ben le challenge, je pense que ça va devenir compliqué. En fait, il faut aller tuer Satan. C'est beaucoup moins bon esprit, ça. Don du sang, on s'en fiche. On se barre le plus vite possible. J'ai pris la mauvaise salle. C'est pas grave. Tout va bien. Le Hank qui ressuscite en Blue Baby si on meurt. Bon, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas, pour où on en est. Donc là, toi, voilà. Non, là, évidemment, un pas de race. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Il décide de ne pas mourir lamentablement, ce qui risque fortement d'arriver, tout de même. On reste concentré, on reste lucide. Je vais mourir comme une merde. Je vais mourir comme une merde sur Loki. Meurs s'il te plaît, meurs s'il te plaît. Deux cœurs pour faire environ 5 salles. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ah oui, alors si tu commences à me péter mes bombes que je place pour essayer de me barrer, ça va pas le faire en fait. Vraiment. Par contre, voilà, si tu peux m'ouvrir la porte, c'est encore mieux. Non, oubliez-moi, oubliez-moi, oubliez-moi. La même. On va se déplacer prudemment. Voilà, mongoliser contre la bombe. Ben la même. La même. Non, 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 non. Oh, aïe, aïe, je le sens tellement mal. Dommage, je pensais qu'elle s'était... T'as raison, fonce dessus en fait, c'est mieux.
Non mais 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 non. Ne pousse pas ta propre bande, super crétin. Alors là, Satan, avec un cœur bleu, si je gagne. Non, non, tu me l'as. La victoire, la seule et l'unique. Salut Mizu, bienvenue. Voilà, tu arrives pile au bon moment puisque je viens de crever contre Satan. C'est magnifique, c'est génial. On va retenter, hein, quand même. On va retenter un petit peu. Mais ouais, mais c'était du grand art. C'est exactement ça. Bravo, tu es une grosse merde. Ah, j'aime beaucoup cette petite araignée coincée toute seule contre son tas de merde. Voilà. Meurs, charogne. On va aller au boss, hein. On va pas s'emmerder plus. Titepin qui revient. Titepin, il est énervé, hein. La petite esquive involontaire. Tout est contrôlé, ne vous inquiétez pas. Merci. Allez, un peu de range. C'est pas si mal que ça. On va quand même essayer de trouver vite fait. Évidemment, c'était de l'autre côté. Petite bombe cramée pour rien. Bah écoutez, hein. Bah voilà. Plutôt sympathique. Wake up. Ça va, c'est bon. Petit le quito et puis c'est parti. Encore un Cellar. Ça va, ça devrait bien se passer. On va essayer de péter au plus, évidemment. Avec la salle du boss direct, c'est bien. Ça fait un petit niveau très sympathique qu'on va boucler en 2-2. Dès qu'évidemment, j'arriverai à toucher les ennemis. Et le Duke of Flies, ben ma foi. Ma foi, pourquoi pas. Non, toi, par contre, tu me lâches. Voilà, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Meurs ? Voilà. Tiens, hop, on prend. On va aller voir ce qu'on nous propose. Et non. Même si un cœur, ça pourrait le faire. Me connaissant, j'ai plus besoin de cœur que d'un objet. Un jour, peut-être, j'aurai du skill. Toi, pour l'instant, on va t'éviter.
La mouche. Voilà, je me concentre sur les deux gros et évidemment je me prends l'ennemi le plus insignifiant de la Terre. A missing page qui me semble quand on se fait toucher active un livre au hasard. On va garder le petit Lokito. Là par contre c'est fort dommage de ne pas avoir une clé parce qu'on aurait pu essayer de trouver le shop et s'acheter un petit truc sympathique. Mais on va aller au boss du coup. Pestilence qui va être chiant là. Ah ouais, qui va être très chiant. Qui va être très très chiant. Les pires araignées du monde. C'est fort en chocolat. Non mais lâchez-moi s'il vous plaît. Non non mais oublie-moi en fait. Non. Voilà. Donc là je passe plus de temps à me battre contre des araignées que contre le boss. C'est super génial. Voilà. Là évidemment il va me balancer les petites araignées. Et les petites araignées, bizarrement, je me fais plus toucher que face aux grosses. Ça, c'est... Oui, voilà, oubliez-moi. Oubliez ce stream, en fait. C'est pourri, c'est à chier. Je fais n'importe quoi. Pff, quel est l'intérêt? Ben, ma foi. Ma foi. Allez, là, si on fait pas trop n'importe quoi, ça devrait le faire. Bon, on va peut-être éviter. Donc là, évidemment, tant qu'on reste au-dessus du vide et qu'on fait gaffe. Aussi, le petit truc, effectivement, c'est que... Non mais... Mais pourquoi je fonce dessus? Petite salle qui sert à rien. Coucou Ganon. On va aller par là. Eh bien, bienvenue, Kevin. Alors, Call of Duty, c'est pas trop mon truc. Je vais juste vous demander 2 secondes, je reviens.
Oh, merci, tant d'amour et de volupté, ça me touche, je suis touché dans mon petit cœur. Moi aussi, je vous aime. Pourquoi ne pas mourir bêtement, se prendre un petit dommage en se collant aux mouches explosives? C'est toujours mieux. Ah, la salle d'arcade, on va aller claquer sa thune. Et l'amour, ça ne s'explique pas, ça se vit. Alors non, Ultima 8 non plus. Non, mais on va bouffer du Isaac, hein. Jusqu'à l'overdose. Et là, vous allez voir, quand on va être dans la salle d'arcade, qu'on va y passer une demi-heure, vous allez vous dire, vous allez être heureux d'être là. Alors, non, pas Exodus. Non, Exodus, très bon album de Bob Marley, mais alors non. Non, j'ai pas un PO. Non. Allez, c'est parti. Et là, on va vibrer. Là, ça va être magnifique. Quoique, en fait, ça pourrait aussi aller très vite, malheureusement. Oh, l'autre, il me fait des infidélités. Le salaud. Ah oui, évidemment, oui. Je m'en doute que pour compenser mon niveau... Ah, merci la boule de cristal, la petite boule, la bouboule. Allez, file-moi des sous. File-moi des cœurs aussi, s'il te plaît. Voilà. Allez, encore. Parce qu'attention... Cœur égale pognon, et pognon égale fric, et fric égale on va passer une heure ici. Allez, fais-moi rêver. Presque. Un petit peu des sous, un petit peu des sous. Oui, effectivement, comme pute, on claque des thunes. C'est exactement ça. Excuse-moi le temps que je vois le message. Allez. Beaucoup de mouches chez ce forain. Beaucoup de mouches. Je pense qu'il faudrait envoyer l'hygiène parce que là... C'est très inquiétant. Et il va me sucer tout mon pognon. Comme au pute. Allez, fais-nous rêver. Dernière pièce. Merci. Merci beaucoup. Ouais, non, mais maintenant, c'est fini. J'ai plus de thunes. Alors, le 2 de pique, qui, si je ne dis pas de bêtises, double les bombes. C'était les clés. Bravo le veau. Alors là, évidemment, l'avantage, c'est qu'on sait, où se trouve le boss. Ah oui, j'avais indiqué ça sur mon stream. Je pense que c'était une bonne idée.
Vais-je arriver à aller au bout? Je vais vous demander juste 5 minutes de pause et après je reviens. Voilà, je me suis pas foutu de votre gueule. Là, évidemment, Skype, c'était le dernier truc que j'avais pas coupé, mais maintenant c'est coupé. Voilà, allez, on est reparti. Ça me fait plaisir que vous soyez tous là juste pour regarder ça. On n'est pas passé loin, mais on n'est pas mort. Et c'est le plus important. C'est chaud du slip. Une petite nécropole, ça fait toujours plaisir quand on n'en a que deux cœurs. Champion! Un cœur et demi.
Un cœur. Un demi-cœur. Je le sens super bien. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Vraiment. Le bal des Mongols. Si ça, c'est pas de la stratégie, je sais pas ce que c'est. La lutte d'un homme, seul face à l'adversité. Évidemment, une carte qui sert à rien. La victoire, le talent. Merci, merci. Avant de recommencer, encore 5 minutes de pub et d'attente parce que ça me fait plaisir.
Allez, on revient. Je vais faire une dernière petite run. Et comme vous êtes là et que ça me fait plaisir, on va faire un petit Blue Baby. Alors oui, jusqu'où j'étais dans le jeu, donc j'ai déjà battu plusieurs fois Satan. Avec je sais plus quel perso. Voilà. Il me manque encore pas mal de trucs, surtout dans le DLC que j'ai pris après. Et voilà. Et un petit Blue Baby. Parce que le Blue Baby, c'est sympa. Voilà, ça va aller vite, comme ça, c'est très bien aussi. Donc le Blue Baby, la petite particularité, c'est qu'il n'a pas de cœur rouge. Et qu'il a le meilleur item de tous les temps. Et le caca. Allez, on y croit. Voilà, donc grâce au Blue Baby, ce qui est génial, c'est que les cœurs ne nous servent à rien. Petit burn penny, c'est pas trop mal. Alors oui, donc j'ai répondu à ta question, et donc je suis allé, j'ai battu plusieurs fois Satan... grosso modo, voilà les challenges, j'en ai fait un bon paquet. Et ouais, en gros, voilà. C'était une super réponse. Mais de rien. Le verre de chocolat au lait, c'est vraiment pourri. On va juste prendre des thunes et ça va nous donner un max de bombes et ça c'est très très bien. Et là, j'ai quand même bien envie d'être directement au shop. Parce qu'avec les sous qu'on s'est fait... Mais exactement, ma chère Mizou, c'est exactement ça. C'est des petites fées qui ont rendu le caca tout en or. Alors là, on va quand même prendre le cœur bleu parce que, quand même. Bienvenue au Carian. Ça me fait plaisir de te voir.
Y a pas de souci. Ah, Death, la carte, c'est vraiment très sympathique. Ça va permettre de buter tous les ennemis d'un coup. Ça va être super. Comment vas-tu, mon cher Okarian? Merci, merci beaucoup. Mais c'est pas grave, hein, le retard. Jimmy m'avait transmis le message. Donc là, avec lui, ça peut durer des heures comme ça. Hein. À partir du moment où il se tourne dans le bon sens, il va pas arrêter de nous foncer dessus. Et là, voilà. Et là, maintenant, il suffit de faire gaffe. Et ça devrait passer. Et voilà. Et un petit cœur bleu. Et ça fait plaisir. Et l'ennemi qui pousse ma bombe juste en dehors de la zone où ça va toucher la petite pierre bleue, ça fait toujours plaisir. Ah, comme un walk! Donc on va quand même essayer de les récupérer une clé ou deux, ça serait pas mal. Binding of Isaac, un bon jeu bien dégueulasse avec un bon goût bien des familles. Pour le Vatican et Christine Boutin. Famille de France, c'est clair. Évidemment, un coffre qui s'ouvre avec une clé, et comme on n'en a pas. Ouais, effectivement, avec The Small Rock, les dégâts sont plus importants avec la distance parcourue. Alors après, il faut arriver à tirer de loin, ce qui n'est pas forcément évident. Non mais là, si ça c'est pas du skill, franchement. Franchement.
Et en plus, c'est génial, en plus avec Squeezie qui nous donne 2 cœurs bleus. Et du Tears Up. Merci, merci, merci. Haha, t'as tout loupé, Mizu. Et non, toujours pas de clé, malheureusement. Oui. Allez, on va aller au shop, parce qu'avec un peu de chance, il y a une autre clé. Voilà. Allez, pouf. Et on va prendre le cœur bleu aussi, parce que quand même. Ok Oli, à plus et bon appétit! Ah, c'est vrai que j'avais oublié le charbon. Ah, c'est peut-être effectivement le cas. C'est peut-être le charbon. Ah, j'ai un doute d'un coup. On va utiliser juste une dernière fois le caca. Et Crack the Sky, je dois avouer que c'est la première fois que je le rencontre. Donc je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je pourrais le tenter au glitch. On va voir si ça marche. Voilà, parfait. Attention. Tadam! Ah mais c'est vrai qu'à eux, ils meurent pas de suite. Bon, c'est pas grave. On a fait déjà une bonne partie de la salle et ça, c'est sympathique. Paf! Le Joker. Alors, le pentagramme inversé, la croix inversée ou le pentagramme.
Ouais, non, parce que quand même pouvoir voler. Ah non, mais j'aime tellement le risque. J'aime tellement le risque. C'est vrai que pouvoir voler, quand même, c'est très pratique. The Husk, si on fait pas trop n'importe quoi et qu'on est très attentif. L'attention, hein, évidemment. Ma foi, ça passe. Alors, Cat9Tails, ouais. Et évidemment, la salle du démon que de toute façon nous avons déjà eu. Au revoir. Allez, encore les catacombes. Eh mais ça, mais moi je dis merci la vie. Merci la vie. Salut testeur LOL Cube, pardon. Oh là là, je fais tellement n'importe quoi. Comme de toute façon, on va mourir rapidement, autant claquer ses thunes. Ça va bien, merci, et toi?
Oh, comment c'est pas passé loin? La carte qui sert à rien. Mouais. Mongoloman. Mongoloman. Bon bah écoutez, je crois que ça va conclure cette session de jeu. Désolé pour le micro coupé, hein, mais... Donc je vous dis à bientôt. Probablement dans le week-end. Encore plus de Isaac, encore plus de skill, et encore plus de mort. Je vous embrasse.